à mes enfants. Papy avec ses deux filles. À mes petits-enfants. Papy. Papy. Et à mes arrière-petits-enfants. On est vraiment désolés. Qui poursuivent le chemin tracé. C'est ton grand-père qui faisait que on était une famille. L'incinération, ça sera dans 5 jours. Je serai pas là, j'ai un avion demain pour la Grèce. C'est une blague? C'est lui qui faisait que, avec tout ce qui nous séparait, on était quand même une famille. Vous voulez un cercueil en chêne? 100 euros, il est en carton. Oh non, 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 c'est pas un déménagement. C'est pour les brûler. Ça m'aurait fait plaisir que tu nous appelles ces derniers jours. Allô, neige, comment ça va? Tu vois, des petites phrases comme ça, du père, quoi. C'était comment l'enterrement de ton grand-père? Une émotion indescriptible. Oh, tu te fous ma gueule? Non. Je t'assure, ça donnait vraiment envie de mourir. Ma mère, elle a 50% algérienne. Donc moi, la moitié de 50, c'est 25. Tu voudrais bien me donner ta salive pour un test ADN complet? Ah. Tu trouves que c'est normal qu'à l'âge que j'ai toujours peur de toi? J'ai envie d'avoir un esprit reposé. Je veux pas que t'aies peur. Mais c'est raté, j'ai peur de toi. En un mot, sans rire, tu peux être fier de moi, Émir. C'est ton sang qui coule dans mes veines. Tu fais partie de mon ADN.